chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le queue pour le punir, l'a pendu au plafond. Il a saigné comme un porc, j'en ai fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu, et on va te faire rôtir. 1, 2, 3, celui qui ira chercher du bois c'est... toi. Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Que faites-vous ici, tout seul? On n'est pas seul. Grand-mère est là. D'accord. Et d'où venez-vous? On est des orphelins. Tous? Qui dit guerre, dit orphelin. Vous saviez pas ça? Je cherche les sorcières du marais de Torseshi. C'est vous qui avez une tête de sorcière? Sorcière du marais? Les moi? On n'a pas le droit d'aller dans le marais. Grand-mère veut pas. Quand mon frère Zemek a disparu, grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois. Elle a beaucoup pleuré après ça. Il va peut-être revenir un jour. Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Et moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai, d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Je vous le dis comme je l'ai entendu. Il n'y a personne d'autre ici. Comment ça? Quelqu'un qui aurait pu voir la femme, par exemple. Il y a l'arbre à six yeux. L'arbre a dormi toute l'année. Mais... il y a Jeannot aussi. Encore en train de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants. Vous êtes qui? Un bandit? Ce sont mes petits-enfants. Grand-mère est gentille avec nous. Elle nous fait de la bonne soupe. Mes enfants se sont perdus dans les bois. Où sont-ils? Qui les a vus? Pas moi. Vous ne seriez pas une des sorcières du marais, par hasard? Moi, une sorcière? Je n'ai pas de balai, non, pas de hibou, pas même une verrue sur le nez. Il est beau, mon nez. Voyez? Grand-mère a un joli bec. Oh, ma chérie. Tu es vraiment un homme. Qui est Jeannot? Jeannot mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. Surveille ton langage. Des histoires, toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. Ah, j'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. J'avais une longue natte tressée par ma mère. Et je portais de jolies robes à fleurs. Vous l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Non, c'est ma fille. Fille? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant? Peut-être qu'on leur a fait du mal? Je vous en prie, aidez-moi. Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vu ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants? Lavez-vous les mains. On va aller attraper des criquets. Je n'apprendrai rien de vous. C'est parce que je ne sais rien. Jeannot, lui, il sait des tas de choses. Quand je lui demande un truc, il me dit « Attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. » Quel vilain mot. Méchant garçon, rentre à la cabane. Je m'en vais te coller au coin, moi. Et vous, partez. Ha ha.
Merci, Nightwear. Sacré vent. Vous ne pouvez pas entrer, c'est interdit. Je veux juste parler au garçon. Interdit, interdit, c'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. Dis-moi juste où je peux trouver Jeannot. Jeannot, il n'existe pas. Partez. Partez. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il n'y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais... grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. Le garçon qui joue avec Jeannot est courageux, non? Pas courageux, stupide. Un jour, ce gros bêta s'est assis cul nu sur une fourmilière. Il écoute jamais grand-mère. Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. En plus, il mange des escargots. Bah. Elle vous traite bien, grand-mère? Elle vous a déjà fait du mal? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot? Bien sûr. Il lui ressemble un peu. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère, pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Très bien, on va jouer. Mais si je vous trouve, vous devrez m'aider à parler au garçon qui connaît Jeannot. D'accord? Il croit qu'il va nous trouver facilement. Il connaît pas les escadrons noirs, c'est pour ça. Fermez les yeux et comptez à voix haute. Surtout vos doigts, ceux des pieds aussi. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Attention, me voilà. Ouais, je sais, Nightwear, c'est un petit fail durant ma vidéo, c'est pour ça. Comment vous m'avez trouvé?
Comment j'y monte là-haut, moi? Je vois. Sors de là. De voir. Il m'a trouvé. J'ai trouvé tout le monde. Vous êtes un mage, pas vrai? Vous voulez bien nous apprendre un sort? Non. Vous avez une promesse à tenir. J'ai gagné. Maintenant, j'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot. Yo, mon petit Freaky Jerry. Bien ou quoi? La forme? Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire. Rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère? Elle est occupée. Où sont tes parents et ceux des autres enfants? Ils sont morts. Morts de faim ou tués par des soldats comme les miens. Un jour... j'étais partie chercher des baies dans les bois. On en trouvait encore à l'époque. En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris. Et puis des rires. Je me suis cachée dans les forêts, à côté des bois. Maman criait. Ça faisait rire les soldats. Ils ont fait tomber papa. Ils ont coupé sa tête. Ça va aller, mon garçon. Re, Tounsi. Et merci pour tout à l'heure, au fait. Hein. Ça m'a un petit peu surpris hein, de voir autant de personnes, là, d'un coup, là. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de rien, d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon, tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami.
Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot ? Il y a une petite clairière, dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Alors durant les cinématiques, j'essaye de pas trop parler parce qu'en fait la vidéo est remise sur YouTube, donc s'il y a des gens qui regardent la rediff, parler en même temps c'est pas top. Mais sinon oui mon petit Fekajiri, alors je savais pas que t'avais déménagé. T'as plus la fibre, tu tapes la même connexion que moi. Ça c'est ballot ça. Et pour Tunzi, oui, dans les paramètres j'ai mis que les gens pour qu'ils puissent parler sur le chat, qui confirment qu'ils ont l'adresse email, on va dire que ça filtre, et comme ça, si un jour, si imaginons qu'il y a une personne qui vient t'insulter sur le chat, c'est beaucoup plus facile de la bannir que de quelqu'un qui peut venir te parler sans adresse email. Voilà. Ouais, mon appart était vendu. D'accord, mais ils vont l'installer bientôt et en 400. Ah bien, bien. Moi j'aimerais bien qu'ils mettent un jour la fibre par chez moi. Je serais heureux. Alors attends, faut que j'aille où ? Attends deux secondes. Carte du monde. Carte du monde. Faut que j'aille juste là. Juste en face. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Je vais sauvegarder parce qu'il y a un truc qui est au milieu là de l'eau. Il m'a l'air de me faire peur. Par contre, j'ai rien en bouffe. C'est ballot ça. Salut FX Santo, bien ou quoi?
pense me le réserver pour cet été, histoire d'attendre quelques patchs pour passer. En attendant, il restera Batman. Ouais, bah oui, c'est sûr. Moi, ce qui m'embête avec Batman, c'est que je pourrais le streamer, mais streamer un jeu assez noir. Je veux dire que le seul souci qu'il y a avec eux, tu vois, avec les... Attends, je mets ça parce que comme j'ai le son dans les oreilles, j'ai l'impression de parler fort. Tu vois, avec les lumières, les spots là qu'il y a autour de moi, c'est ça qui est embêtant parce que quand tu joues un jeu qui est assez sombre, et ben t'as l'impression que le jeu t'es dans la nuit mais complet. Et j'ai tenté de refaire exactement la même mission dans la nuit. J'avais tout éteint et bah, l'image était complètement nickel, quoi, tu vois. Et avec Batman, c'est ça qui me fait un petit peu flipper, c'est que si j'y joue, je vais vraiment limite être dans le noir et limite changer les couleurs et tout, changer la luminosité, alors que ça se trouve dans le jeu, la luminosité va être très très bien, tu vois. Donc c'est ça qui m'embête avec ce jeu, c'est que le jeu va être très très noir, et même dans le jeu, quand il commence à faire nuit, je vois plus rien. Je vois que dalle. Fais-le toi en off, sans stream. Ouais, bah ouais. Mais celui-là, je vais le faire. Celui-là, je vais le faire en stream quasiment. J'ai commencé un let's play. Je pense que je vais le continuer, hein, même s'il n'y a pas spécialement de vues sur ma chaîne sur ce jeu-là. Franchement, je prends mon pied, un truc de ouf. Alors attends, je remets mon casque. Alors attends, je cherche. Ah, c'est là. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Je vais sauvegarder. Parce qu'il faut sauvegarder dans le jeu. Il faut sauvegarder beaucoup. Hein. Tu m'étonnes que la connexion, ça a dû te... Tu m'étonnes que ça doit calmer. Ah bah oui. Toi qui étais habitué à avoir une connexion de ouf. J'ai pas du tout... J'ai rien en bouffe sur moi. Genre j'ai que dalle en bouffe quoi sur moi. Oh le bâtard! J'ai bien fait de sauvegarder. Le seul souci qu'il y a avec ce jeu là, c'est les chargements. Oh là 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 là! Oh my god quoi! Sérieux! C'est un truc de ouf!
Hop. Vous avez vu? Les chargements, comment c'est long? J'ai eu le temps de regarder Twitter, Facebook et tout en même temps. Anto, ah bah oui, j'avais pas vu ton message parce que ton pseudo est très clair, donc en fait t'es passé entre Freki et... Il y a deux Freki entre toi et j'ai du mal à voir ton pseudo en fait. Bah sinon moi ça va. La forme. Putain, pardon, désolé, excusez-moi. Peut-être changer, je vais prendre protection. Voilà, on va prendre ça, on va se protéger. Ah la vache. Attends, j'avais pas vu. C'est con qu'on ne puisse pas changer de pseudo sur Twitch. Ouais, c'est vrai. Louis, mort de rire, Louis. Bah, en même temps, tu pourras me faire des frites, s'il te plaît, parce que j'adore les frites, s'il te plaît. Merci Louis, c'est gentil. Moi, cette heure-là, moi, je mange. Hein. Cette heure-là, il est presque 2 heures. C'est l'heure où je mange, moi. Oh putain! Oh la vache! Le pire, c'est qu'il faut que je les bute. Je suis obligé de les buter. Hein. Je peux pas me barrer, non? Je voudrais juste, au pire, me barrer. Oh mais merde. Et t'as pas un truc pour couper, enfin pour les éplucher. Moi j'ai un truc hein, pour les éplucher. J'espère que tu le fais pas au... Enfin je sais pas. Moi je sais que enfin ouais non j'ai un couteau normal pour couper les éplucher quoi. J'avais vu une... C'était dans quoi? J'avais vu un mec comme ça. Il épluchait les pommes de terre. Il avait une perceuse. Et je sais plus ce qu'il avait fait. Sa pomme de terre a tourné. Et en fait, ça a enlevé la... Ça a épluché, en fait. Et le mec, juste en tournant la perceuse... Voilà, plus de peau. Tout était épluché.
Bah c'est bien, j'évitais de me les taper en fait. C'est, je vais sauvegarder en fait. Je vais sauvegarder, ça va m'éviter de les taper. Voilà. Ah, elles sont super petites. C'est des patates des États-Unis, c'est ça? C'est pas les patates de la France. Oui, on va jeter un œil, on va même sauvegarder, hein, au cas où. Ouais, je fais que ça, sauvegarder en fait. Mais... Jeannot? N'aie pas peur. Un lutin, alors. Je sais. Un sélicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Et pourquoi? Tu sais sûrement ce qui se passe dans le coin. C'est ici que tu habites? Jolie petite tanière, bien située. Tu dois tout connaître de ce marais, je me trompe? Ça ne te dérange pas de vivre au milieu des monstres? Tu connais bien les enfants de la clairière? N'aie pas peur, je ne veux de mal à personne. Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi? Tu as perdu ta voix? Peut-être, je peux t'aider. C'est vraiment nécessaire. Attends. Sauvegarde. Voilà. D'accord, faut que je le tue.
Oh le bâtard. Des baby potatoes. Ah oui, des baby potatoes, d'accord. Baby potatoes. Oh merde, putain de merde. C'est horrible, c'est horrible. Comment je vais les défoncer? Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas du tout de bouffe. Donc c'est un petit peu embêtant. Je regarde un truc.
Attends, c'est pas ça que je voulais faire.
Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voix? Tu veux que je grimpe, c'est ça? What the f... Des dragons, d'accord. Amène-toi, allez. Super. Oh la vache. Si j'ai pas de vie, ça va être tendu. Ça va être tendu. Ça va être très 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 tendu. Il y a quelque chose. Tu veux que je grimpe? Ok, attends, je vais sauvegarder, comme ça je suis plus près. Hop. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Cacao. Oh le bâtard, mais ce putain de dragon de merde, ce dragon de merde là qui me tape dans le dos là, il est un peu casse-bonbon, un peu casse-bonbon, faut le dire.
Ou soit faut que j'esquive et que je les défonce à chaque fois. Ça va pas être simple. Tu passes plus de temps à charger que jouer en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Sans doute la fameuse bouteille. On va sauvegarder, hop, sauvegarder, hop. J'exige d'exquises excuses est un véritable enfer. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Hé, pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Comment peut-on mettre... Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille? J'aimerais bien savoir. Et moi donc? Surtout une voix comme la mienne. Tantôt pareil à un tendre ruisseau, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. Simple farce ou méchanceté, en tout cas c'est une magie puissante. Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillée un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leurs chiens sur moi en criant au farfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet? Pas du tout. Bien sûr que non.
Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je l'oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféqué face au soleil devant. Quel pied! Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée, parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'a entendue. Je suis passé par le village du Marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée? Folle alliée. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas, tu imagines? Des orphelins, dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais? Je vis ici depuis toujours, et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Que sais-tu des moires? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leurs bourreaux. Vraiment? Qu'est-ce que je risque? Ta voix? Ta vie? Ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région, d'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas, à moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Encore un.
Oh la vache, le bâtard. L'enfoiré. Attends, en plus il m'en restait plus qu'un quoi. Et là, comme ça, je suis juste à côté. Hop, hop, hop.
J'ai plus beaucoup de vivres, hein. Ça craint. Chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Crac, soudain, une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix ? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, je ne crois. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. À propos de la femme que je cherche. Désolée, grand-mère. Mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. Je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme. Ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord. Je vais l'aider. Suivez-moi. Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un ver insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas? Oh, intelligent, ma foi. C'est un spécimen rare, ma sœur. C'est donc vous et moi. En effet, tu nous imaginais bien vous là, peut-être. Ces garces du village ont encore colporté des ragots. Les humains sont des êtres jaloux et méchants. Est-ce qu'on ressemble à des moires étrangers? Viens donc vérifier. Touche-moi, oiseau blanche. Touche-moi là où tu le désires. Dites-moi, je rêve où cette tapisserie est faite de cheveux? Oh, comme ses mains sont douces et sensibles. Touche-moi encore, mon garçon. Touche-moi. Où trouvez-vous des cheveux humains? Ne connais-tu pas la Césuine? Dans la région, un enfant devient un homme lorsqu'il coupe ses cheveux pour la première fois. Notre sœur tisse alors une tapisserie. Et si la trame est droite, heureux est le destin. Et dans le cas contraire? Alors il faut la démêler. Cette tapisserie, c'est
c'est une prison. Vous êtes maudite? Nul ne peut nous maudire. C'est nous qui maudissons les autres. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme une boule de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Nous vivons une période de troubles, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterlé. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterlé et t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, va? Donne-lui la dague. Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Placez le paiement de l'échevin sur une pierre. Pierre nue, pierre tondue. Pierre voyante, pierre savante.
Ok. Eh ben, je vais stopper là. Je vais stopper là. Comme ça, ça va être nickel pour ma vidéo sur YouTube. Je sais pas s'il reste Nightwear. Ok. Louis, bah je te dis sûrement à la prochaine. Je te dis sûrement à la prochaine. Nightwear, pareil, je vous dis à la prochaine. Et puis bah, portez-vous bien, hein. Portez-vous bien. Et bah, on se dit à très bientôt, hein. Ok. Donc voilà. Allez, sur ce, à la prochaine. Allez, tchuss.